Alors, on a construit la mise en scène sur cette solitude d'Armide, qui est mitigée par la présence des furies. C'est les danseurs qui sont ces êtres auxquels Armide fait appel dans les moments de besoin, tout au long de l'opéra, y compris le final tragique. Donc c'est sur ces relations entre les différents personnages, basées sur la supposée solitude d'Armide, qu'on a créé une structure portante qui permet aux personnages de se relier les uns aux autres, indépendamment du fait qu'ils aient ou pas des scènes ensemble. Et j'ai donc utilisé une méthode essentiellement théâtrale pour travailler avec les danseurs et avec les chanteurs, en leur demandant de vraiment ajouter, trouver une couche intérieure où se situe le jeu théâtral, l'action. La production est emblématique à plusieurs niveaux pour le Centre de musique baroque de Versailles. D'abord parce qu'il permet de réunir des coproducteurs et des partenaires de pays germaniques, puisque nous sommes en coproduction avec le Festival d'Innsbruck et avec le Festival de Potsdam. Ensuite parce que le Festival d'Innsbruck, qui est un des plus gros festivals autrichiens qui existe depuis 40 ans, pour la première fois de son existence, a décidé de faire de la musique française. Et pour ce faire, s'est tourné vers le Centre de musique baroque de Versailles. Enfin, parce que toute une partie des jeunes chanteurs a été sélectionnée à l'issue du concours Chesti de l'année dernière, qui s'est déroulé à Innsbruck, et qui a permis d'entendre des chanteurs venus de tous les pays et d'en retenir certains pour participer à cette production. Je crois que j'ai tout découvert en fait, puisque pour moi donc c'est ma première production baroque français. C'est mon premier Lully et c'était un défi parce que je n'avais jamais travaillé cette musique. Et il a fallu tout découvrir, l'ornementation, la manière dont c'est écrit, comment le travailler, la prononciation. Le baroque français, c'est beaucoup plus cérébral, c'est-à-dire que tout est pensé, tout est très 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 étudié, c'est-à-dire chaque consonance, chaque voyelle, chaque lettre, chaque mot, c'est vraiment très 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 étudié. Une des choses les plus difficiles pour les jeunes chanteurs, c'est de s'approprier le style musical particulier de l'opéra français du XVIIe siècle. En fait, ce style est complètement différent du style italien, dans la mesure où il repose avant tout sur la langue d'un côté et sur le corps et la gestuelle de l'autre, c'est-à-dire vraiment le texte et la danse qui sont les deux spécificités du théâtre français. Ce travail musical a été mené avec Patrick Cohen-Akenin, le chef d'orchestre des Folies Françaises qui dirige ici l'orchestre. Et en complément, tout un travail a été mené sur le texte avec moi-même. La difficulté principale, c'est vraiment au niveau de savoir quelle consonne doit recevoir de l'emphase. Donc, particulièrement, on a les R ici. Nous, on a adopté l'approche d'avoir les R roulés. Donc, ça prend vraiment un roulement d'air très, très présent dans tout ce qu'on fait. On a vraiment étudié la clarté de la langue
en chantant. Le texte est tellement bien écrit et tellement bien mis en musique qu'il faut trouver la juste interprétation tout en étant dans ce plaisir des mots, de la consonne, de la voyelle et toutes ces allitérations, tout ce travail du texte. Tout est quasiment du récit, en tout cas moi pour mes rôles, tout est du récit et donc ça semble être quelque chose, c'est à la fois très bien écrit, très carré, et en même temps il y a la possibilité de rajouter des sentiments personnels et de la subjectivité. En fait, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est vraiment d'entendre aussi dans l'orchestre, mais dans ma voix aussi, le changement de, où on peut jouer un petit peu différemment avec le couleur. Donc Deda, le metteur en scène et chorégraphe, nous a appris énormément de choses donc, au niveau des déplacements, de la gestuelle. Et donc il faut noter aussi qu'elle connaît très très bien forcément la partie de texte et de jeu. Donc c'est-à-dire qu'elle a pu aussi nous aider d'un point de vue jeu, comment interpréter, comment le réciter même à froid si je peux dire, donc sans musique, pour savoir comment l'interpréter au mieux. Aussi à bouger des gestes carrément de théâtre baroque et parce que c'est très important aussi la communication pas non verbale. Ce choix a permis de porter notre attention sur le voyage sentimental d'Armide et de Renaud, ce qui est effectivement intéressant aujourd'hui. Ça a permis vraiment un travail pédagogiquement parlant, là où on s'intéresse, comme je fais, à la relation entre les personnages sur la scène, pour motiver le jeu, pour le rendre palpable et pour la conscience du jeu. Je trouve que les danseurs ont quelque chose de incroyable parce que quand même ils utilisent tout le corps pour communiquer des émotions. Les jeunes interprètes ne sont pas seulement les chanteurs de la distribution, mais aussi certains des musiciens de l'orchestre qui ont intégré cet orchestre pour certains après avoir participé à des précédentes académies d'orchestre que le Centre de musique baroque de Versailles avait menées. À deux, comme je l'avais fait
l'autre jour, hein. Et donc je redonne 2 sur elle, c'est-à-dire d'inutiles efforts. Wow, là, il y a des gâtins, hein, pour que ce soit bien clair. Et on ralentit avec lui. Les jeunes instrumentistes, bien sûr, découvrent ce répertoire français, mais ont aussi pour certains l'occasion de découvrir les instruments français, puisque 3 d'entre eux jouent une taille, une haute contre et une quinte de violon, qui sont les altos de l'époque, qui sont des instruments reconstruits par le Centre de musique baroque et mis à disposition dans le cadre de cette production, qui sont très particuliers et que les jeunes ont donc appris à faire sonner au contact des autres instruments, au contact des danseurs, au contact des chanteurs. Moi je joue de la quinte de violon et on n'a pas l'habitude d'en trouver. C'est au niveau des cordes en fait, il faut vraiment rentrer dans l'instrument pour qu'il sonne parce que les instruments tout seuls, finalement ça sonne pas beaucoup. C'est vraiment un très très gros alto, donc au niveau des écarts, des doigts, c'est vraiment différent. Avec le Centre de musique baroque de Versailles, je travaille énormément sur la formation de jeunes instrumentistes sur ce répertoire de musique baroque française. Et là, c'était l'occasion rêvée ici à Innsbruck avec cette Armide, une production qu'ils appellent Opéra Jeune, d'intégrer aussi de jeunes instrumentistes. Donc j'ai demandé à 6 musiciens de venir participer à cette production. Okay. Et je pense que vous retournez avec lui dans le... Voilà. Précis. Pour moi, c'est important de les amener à un niveau professionnel, de leur montrer ce que c'est une production professionnelle et donc de leur donner un avant-goût de leur métier et puis surtout une expérience professionnelle qui va leur servir après quand ils vont aborder le milieu professionnel, même si pour certains, ils sont déjà à cheval entre le travail d'étudiant, le travail de formation et le travail professionnel. On a beaucoup travaillé sur les RSI avec les chanteurs parce que pour nous, c'est quand même plus difficile de les suivre aussi. Donc du coup, on a beaucoup travaillé sur ça. Nous, on a le texte aussi des chanteurs. Puis à force de répétition, on connaît la musique maintenant, donc on peut anticiper aussi. Mais il ne faut pas trop anticiper non plus, parce qu'à chaque répétition, il peut y avoir des choses différentes. Les chanteurs peuvent chanter différemment.